Il est parfois difficile de définir ce que l'on nomme comme une expérience de cinéma, un instant qui change notre regard sur un art et sur la manière de ressentir une émotion. Au cœur du 7e art, de nombreux auteurs s'efforcent de faire ressortir la puissance, la maestria et la complexité d'une émotion au travers des traits d'une œuvre souvent complexe à aborder mais qui nous change, qui nous incite à comprendre l'impact qu'un film peut avoir sur nous et sur notre manière de gérer et de contrôler, ou non, une émotion. Souvent, le 7e art s'est vu bouleversé par ce genre de mentalité, ce genre de conception complexe, difficile, souvent rare, qui nous oblige presque à sortir de notre zone de confort pour mieux apprécier la complexité et l'intensité d'un moment qui pourrait rester suspendu dans le temps, durant une simple séance, mais qui devient le vecteur d'une émotion et d'un ressenti qui nous poursuit bien longtemps après le passage dans la salle. Ainsi, un film m'a personnellement marqué dès le premier visionnage et reste encore aujourd'hui à mes yeux une œuvre rare, mais avant tout, un classique impérissable. Au cœur de l'année 1978, un jeune auteur, ayant proposé une expérience mafieuse totalement hors norme 2 ans plus tôt, s'empare de l'histoire vraie d'un certain William Hayes, qui dans les années 70 s'est retrouvé au cœur d'une des prisons les plus dangereuses et impardonnables du monde pour y subir un enfer que l'on ne désire à personne. De cela, cette histoire, ce récit, cette fulgurance dramatique, l'auteur Alan Parker en tire un métrage rare. Une œuvre façonnée et conçue pour devenir un chef-d'œuvre instantané, développant toute la puissance et la catharsis d'une époque pour retranscrire en son sein un moment de cinéma d'une brutalité, d'une intensité mais également d'une logique impardonnable qui a totalement marqué une génération de spectateurs et qui ne cesse d'en marquer de plus en plus encore aujourd'hui. Ainsi se pose Midnight Express, comme un moment de cinéma unique, un long chemin de croix pour un prisonnier qui n'en méritait pas tant. Sans être l'œuvre la plus brutale du 7e art, une chose est sûre, Oliver Stone n'a jamais aussi bien décrit la cruauté de l'humanité. Si Oliver Stone est connu pour être un auteur qui avait du piquant et du mordant dans les années 70 et 80, que ce soit avec Platoon en tant que réalisateur ou avec Scarface en tant qu'auteur, au sein du scénario adapté du roman de Billy Hayes, il délivre une cruauté, une noirceur, une horreur quasi mystique dont les rares bribes de bonheur sonnent presque comme salvatrices. Loin de cette idée d'offrir constamment une rédemption à cet homme, loin de l'envie de garder le spectateur intact à la sortie de ce script, le scénariste américain délivre ici un moment de cinéma qui ne laisse pas indemne, qui pose le spectateur comme le témoin de l'horreur d'une humanité ne cherchant pas à être pardonné, mais à être injuste avec ceux qui ont fauté sans la moindre pitié imaginable. Un script récompensé et salué par toute la profession, qui confirmera le talent d'Oliver Stone en tant que scénariste, mais qui malheureusement le fera tomber dans la cocaïne. Lorsque l'on pense à Midnight Express, on pense à un personnage, à un acteur, qui a su cristalliser au travers de sa performance toute la dureté et la puissance du film de Parker. Ce visage, cet homme, c'est Brad Davis, un jeune acteur qui fut littéralement propulsé sur le devant de la scène par le film d'Alan Parker, car il s'agit de son 2e rôle au cinéma et de sa 10e apparition sur un écran. Autant dire que le jeune homme est tombé sous les projecteurs aussi vite qu'il les a quittés puisqu'il mourut à l'âge de 41 ans seulement. Le jeune acteur délivre ici une prestation complètement folle, bouleversante et déchirante à la fois. Une prestation qui le rendra célèbre, qui fit de lui l'icône d'une génération de cinéphiles et qui lui donnera une notoriété, peut-être un peu trop rapide, mais largement méritée car son interprétation fait la quasi-totalité de la forme, de la force et de l'impact du long métrage sur le spectateur sans forcément tout lui attribuer, soyons certains que malgré tout, il est Midnight Express, il est devenu Billy Hayes. Un acteur possédé par son personnage, une icône cinématographique qui a marqué toute une génération. Alan Parker est un auteur qui a à peu près touché tous les genres du cinéma. Il est donc difficile de trouver une ligne directrice au sein de sa filmographie. Mais si l'on devait en ressortir une, ça serait celle de devenir un artiste accompli. Et c'est ainsi que se pose donc son 2e long métrage, Midnight Express, comme une œuvre atypique, complètement folle, d'une émotion rare et d'une intention certaine, celle de montrer l'horreur la plus brutale et la plus complexe au cœur du lieu où littéralement, la moindre once d'espoir est presque impossible à trouver. Ainsi se pose la mise en scène d'un cinéaste qui en fera son modèle créateur au fur et à mesure de son cinéma, car il est indéniable qu'au cœur de Fame, de The Wall ou même de Angel Heart, il y a de l'horreur, il y a de l'impossibilité de trouver une forme de bonheur, de rédemption, de compréhension de ce que l'humanité souhaite, désire ou cherche à conquérir. Et Midnight Express traduit cela à chaque seconde d'un moment de 7e art totalement maîtrisé par son créateur. Alan Parker passe par l'horreur pour cerner ce que l'humanité est et deviendra,
Il décide alors de nous montrer la cruauté sans le moindre filtre. Dites-vous qu'en 78, le synthétiseur restait un objet difficile d'accès. Mais pas pour le compositeur et producteur Giorgio Moroder. Dans la tête du jeune compositeur de musique, soyez sûr que dès le moment où il a commencé à jouer Chase ou même son ouverture à Istanbul, il savait pertinemment qu'il allait proposer au monde du 7e art quelque chose de révolutionnaire. Peut-être pas forcément de facile à accepter, mais au moins de visionnaire et qui allait changer la donne. Pas étonnant que derrière cela, le bougre ait reçu un Oscar de la meilleure musique et que surtout il imposa à jamais sa vision de la musique, changeant radicalement les mentalités et parvenant par là même à prouver que même si l'on ose parfois des mélanges un peu loufoques et qui sonnent comme difficiles à la première écoute, la seconde révélera certainement une opportunité de changer sa conception du cinéma et de l'art. Comme s'il avait déjà en tête de changer le monde de la musique, il posa alors un objet qui allait transformer la conception de la musique au sein du cinéma. Lorsque je repense aujourd'hui à la première fois que j'ai vu Midnight Express, je me dis que je n'étais certainement pas prêt à recevoir ce qu'il m'a été donné de voir ce jour-là. Soit littéralement, un objet de cinéma peut-être un peu trop mature pour mon âge, mais surtout, un chef-d'œuvre de 7e art aussi radical que novateur. Difficile de prouver et de quantifier aujourd'hui à quel point le long-métrage d'Alan Parker a changé le monde du cinéma. Mais une chose est sûre, en cherchant tellement à donner au 7e art un moment aussi radical, aussi noir, aussi imposant et intense dans sa manière de jouer avec nos émotions, le metteur en scène a su s'emparer d'un sujet qui n'aurait pu sonner que comme un énième fait divers, mais qui est devenu par la suite des choses le chef-d'œuvre que l'on connaît aujourd'hui. Un chef-d'œuvre dur, parfois insoutenable, souvent cruel, mais qui semble nécessaire pour comprendre l'homme, et ce n'est pas notre époque qui va nous prouver le contraire.